Ça tourne, tu peux y aller. Ok, aujourd'hui le Wood. Choc anaphylactique. Ok, ce sera donc un départ toutes les 3 minutes. Vous allez faire entre 3 à 5 strict chest to bar, pull-up ou row avec le balai ou avec un PVC. Une fois que vous avez fait les 3 à 5 tirages, on partira sur 2 tours de 6 à 10 toast to bar ou toast to couch avec donc son petit canapé ou son fauteuil. On vous montrera 6 à 10 burpees. Ok, avant on va commencer par un petit Tabata Hang Hollow Rocks. Et l'athlète aujourd'hui, ce sera donc Clément Giraud. Vous avez vu cette masse? Exactement. Donc il va faire le hang avec le balai. Donc il vient suspendre, là il se met en position active. Oui, alors là franchement par contre t'as pris du gains hein, mon petit clé Giro. Je sais pas si le balai va tenir toute la séance. Hein. Non, c'est ça, force de manger des raviolis de la zinc. Ah ouais. Mais il... non. Alors là ce qui va se passer, c'est qu'il va se broken en deux. Et là, il part sur de l'actif, ok. Il relâche et on partira pour du Hollow Rocks. Hollow Rocks, tu veux pas qu'on prenne genre. Un PVC. Ouais, je sais même pas si le PVC ça peut se la faire. Ou peut-être juste mettre un balai. Faudrait mettre deux balais en fait. Si, on pourrait resserrer un petit peu les tréteaux là. Il y a de la place hein. Donc Hollow Rocks, pour les personnes qui n'arriveront pas à se rouler, on montrera la version scale tout à l'heure. Juste au tour d'après, voilà, parfait. On a resserré un petit peu les tréteaux parce que bon, là sinon le balai allait vraiment se tordre. Voilà. Voilà, vous avez vu, il a fléchi les jambes. Pareil, ça peut être un scale pour les personnes qui ont du mal à venir faire des scapula euro. Ok, donc le scale pour les Hollow Rocks, c'est venir se mettre en boule, les mains derrière la tête et les coudes en contact avec les cuisses. Et voilà, comme ceci, tac. C'est plus dur. Mais normalement, on peut le faire, c'est plus facile. C'est... Ah ouais. Ouais, mais moi... Au lieu de rouler, j'ai les genoux. C'est ce qu'on apprend au cours de pilates niveau 1. Alors, mettez-vous en boule. Et hop, on repart. Oh my God. Hop. Vous inquiétez pas, le balai va tenir. Mais ça tient, regarde. Voilà, vous avez non, vu. Le bois, ça prévient. Ça craque. Oups. Super. Pensez toujours à bien engager les abdos, les jambes bien straight, bien tendues, bien gainées. Du coup, pensez à mettre un gilet. Si vous voulez le challenger, effectivement, prenez un gilet. Là, étirez-vous un peu chez vous. Voilà. Ah, vous avez entendu, pensez à vous étirer. Prenez. Stretching. Exactement. Respiration. Les séances de yoga, elles sont dispo, vous pouvez les faire tous les jours. Voilà, les séances de yoga sont dispo en permanence sur le groupe. N'hésitez pas à les faire et les refaire. Exactement. Et soyez vegan. Et soyez vegan. Oh. Aimez les animaux. Devenez. Dis-y que le mec qui s'envoie je sais pas combien de grammes de tofu par jour. Bah mec, j'ai mangé de la viande hachée, j'ai mangé de la viande hachée. Le tofu c'est super polluant. Mais non, c'est le soja brésilien, c'est le soja brésilien. What? Soy is really bad. Mais non, c'est le soja. C'est le soja plein de gemmes brésilien. Ok, on va partir pour 3 tours de 10 ground overhead et 2 inchworm. On a appris avec le temps que faire 30 inchworms dans les warm-up, c'était comme un peu vénère. On est revenu à des choses beaucoup plus simples. Ah, mes épaules.
Super. Toc. Donc une chambre. Toc. Voilà, je vais me faire une vue de profil. Donc il serre bien les abdos, les bras sont toujours tendus sur ce mouvement. Il remonte petit à petit. Donc voilà, il fait ce petit mouvement-là par rapport à sa hanche. Petite hanche en bois. Ne vous inquiétez pas. Angelo accepte mal la défaite sur les différents votes. Du coup, je fais tous les votes avec lui. Voilà, exactement. Tous les votes poids de corps, cardio, avec un petit sac à dos, c'est mort. Angelo ne le fait plus. Voilà, en tout cas, pas contre Clément Giraud. On a oublié de noter le numéro de téléphone. Ah ouais, c'est vrai. On peut toujours le faire. Hein. Là, aujourd'hui, il est repos. Voilà. Pas de news, je les fais reposer. Les mecs aussi, parce qu'on a reçu surtout des news de mecs. Exactement. On se calme, les gars. Période très difficile pour tout le monde, on en a repris pour encore un mois. Du coup, là, on est le combien dans le mois? On est le 21 avril, c'est ça? Ouais, 10 jours. C'est bien, hein, dit comme ça. Non, pas 10 jours, il reste 20 jours. Ah non, 20 jours. 20 jours. 20 jours, merde. 20 jours. Oh, ça passe vite. Hein. On sera déconfiné progressivement. Ouais, il va falloir surtout déconfiner progressivement. Vraiment très ouais. Progressivement. Ouais. Éviter de faire à ce qu'il y a une envie. Et hop. Ok, donc après on va partir pour 3 tours de 10 windmill par bras et 10 seas. Donc là vous voyez Clément le fait encore avec un petit sac à dos, donc il va aller tranquillement. Voilà, il respire, pense à bien respirer pour oxygéner, permettre de relâcher. Voilà, on voit qu'il a pris du gains, hein. Les watts de la boxe, plus du ski avec de la prod dedans, ça aide beaucoup. 4, c'est clair. C'est trop bon. Il doit en manger au moins 4 pots par jour. Plus au moins une dizaine de tasses de café. Sans compter les nocos. Hein. Ah, mais les il y en a pas autant que ça, des nocos en vrai. Ah, au moins 2, allez, 2 par jour. Comparé. Non, t'es un ouf. Ah. Il y a tellement de jours, on en a pas vu. Non, okay. Alors je t'explique, j'en bois jamais. J'ai dû en boire 3 depuis le confinement. Moi j'ai explosé mon record. Hier on avait un shot bar, c'était pas mieux. Samedi soir. Non, les nocos, on en boit pas beaucoup. Moi j'ai bu des fitelles, désolé. Donc pour les personnes qui sont un peu plus raides sur le windmill, n'hésitez pas à fléchir les deux jambes ou fléchir une seule jambe quand on est en train de faire Clément. Pour pouvoir pousser la hanche loin sur le côté. Le bras est toujours tendu. Voilà, le bras à l'intérieur de la jambe. Super. Nickel. Et on vient faire après 10 séries, donc on vient s'allonger sur le ventre. Voilà. On respire à fond, on pense à bien dérouler la colonne et l'enrouler. On voit qu'il respire à fond. Si vous sentez que vous êtes un peu limité en termes d'amplitude, comme à chaque fois, n'hésitez pas à mettre les mains loin devant. Voilà. Très bien. Donc, si vous avez déjà vu le film Seul sur Mars, bah, on a fait un champ de patates à côté. Tu n'as jamais vu ce film avec Matt Damon? Du coup, il, pour survivre, il fait un champ de patates. Et il mange que des patates pendant je ne sais pas combien de temps. Je crois que les mangeurs, ils pourraient survivre. Que des patates. Bon, je crois qu'il fait qu'une seule type de cuisson. Au micro-ondes. Oh là là.
Quel athlète? On voit qu'il est guiné. Ah, excuse-moi. Hop. Il est toujours en train de faire son petit sac à dos windmill. Ça, je l'ai pas perdu. Trahison Eng. Très important. Suspendez-vous à des portes. Et on part pour le dernier tour. Vous avez vu notre petite installation. Ah oui, c'est la fin du deuxième, c'est vrai, exactement. Notre petite installation, comme à la maison, pour appeler ça. Il est bien en faux de Philly aujourd'hui là. Ça te fait un peu les fessiers, les ischios et. Je pense qu'il y a du bleu de bride aussi. Ouais. Ouais. Je vais peut-être faire le renfort avec vous là, comme ça je l'aurais fait déjà aujourd'hui. Je vais faire juste l'échauffement. Je sais plus ce que c'est l'échauffement. Oh, peut-être pas. Je le verrai peut-être après. Ouais. Ça mérite franchement une capture d'écran. Tu peux avec le petit bouton là. Ah ouais. Ça, je savais pas. Ah, trop tard, merde. Putain, elle est trop bien cette fonctionnalité. Faire des photos pendant que tu. J'y penserai à mon prochain film pour adultes. J'aime quand tu penses comme ça. Genre, il va me mettre derrière, t'attrapes. C'est ouf. Putain, ça fait vraiment longtemps quoi. C'est bon, t'as arrêté de parler de conneries toi. Putain. Ok. Donc, on va laisser Clément tranquillement s'installer et on va partir sur le choc anaphylactique. Je répète. Donc, on va avoir 5 tours. Départ toutes les 3 minutes, ce qui va faire 15 minutes de travail. 3 à 5. Strict. Hop. Chest to bar ou pull-up. On va montrer la version donc rowing ballet. Tac. Super. Voilà, ils ont fait pour s'échauffer tranquillement. On est parti pour 5 répétitions. Les toes. Attention, mon petit Angelo. Il a besoin de la place. Ah bah, ça ne bouge pas. Voilà. Super. Alors moi je peux pas, je vais garder une jambe fléchie. Voilà, il va garder une jambe fléchie parce qu'il peut pas tendre l'autre jambe. Hop, qui va remplacer les toes to bar. Ah ouais, c'est dangereux là. Ah non, ils ont perdu une descendance comme ça. Pas de descendance. Hein. Et donc burpees, là il choisit la version step up. T'as là, vraiment gainé, tu dois être au moins 85 kilos là. Non. Bien sûr que si. Hein. Non, il a perdu. Mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est parce que le truc il est trop petit. Non, mais t'as l'air énorme. Là, on l'a acheté quand on était à Berlin. Quand on a fait le stage avec. Pas avec Ido, mais. Ah, avec Joseph. Axe. Ouais, mais ouais, j'en suis sûr. Ça, descends la balance. Ça fait longtemps que je me suis pas pesé, je sais même pas comment je fais. Ah oui, c'est pas rapide. Hein. C'est Tipa. Donc, je répète. Non, fait quoi, là? Le but, je vous explique. Il faudrait que vous ayez au moins dans les 4 premiers tours, au moins 4, au moins 1 minute de récupération, d'accord, et de finir les 2 tours de 6 à 10 toes to bar ou toes to coach et 6 à 10 burpees. Donc vous choisissez. Si vous voulez commencer par faire 2 tours de 6 et 6, vous avez le droit. Vous avez le droit de faire un tour de 6 et 6 et peut-être un tour de 7 et 7. Oula, j'ai mal filmé.
Combien vous aviez de repos, vous, à peu près, quand vous l'avez fait? On avait à peu près 1 minute 30. Donc voilà, c'est toujours pareil, il faut viser. Entre 1 minute et 1 minute 30 de récup. Ouais. Voilà. Donc ça doit être vraiment un sprint. Le but, c'est vraiment d'avoir ce sprint et un sprint régulier. Donc, Le seul truc chiant, vous allez voir, moi, ça va être pareil, c'est le changement de spot. J'avais un changement de spot, moi. Et ils ne l'ont pas fait, mais moi, j'en avais un. Je devais descendre et aller sur mes anneaux. Sur les anneaux? Ouais, parce que c'était target. Ah oui, pour le burpees. Mais ouais, donc du coup, pour le changement de spot, c'est le seul truc qui doit prendre un peu de temps. Il faut essayer de se précipiter. Mais voilà, choisissez vos reps en fonction de avoir au moins une grosse minute. Il a l'air énorme à la vidéo. Hein. Oh là là. C'est le renfort de Marcus Fili, là. Ça fait 2 semaines qu'il en fait, là. Regardez, c'est devenu un autre homme. Rigole pas, toi, là, non. C'est pas nous, on y va. Moi, je vais en faire. Il va sauter toutes les minutes, en vrai, mais... Ah ouais, t'as pas réglé comme ça? Enfin, on va pas se foirer. Ah ouais. C'est 3 minutes, mais il y a toujours le pincer, j'ai pas réussi à l'enlever. Ouais, on a fait 2-3 trucs. Ok, bah c'est bon, super quand tu veux, moi je compte pour toi. Ah ouais, mais du coup, t'as choisi à peu près combien de reps tu voulais faire? Je vais faire 5, et sur ça, je vais tester le premier tour et ça va me défier. Je vais partir pour 10. Et go! Et 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc petit changement, petite roulade, voilà! Donc on n'oublie pas d'être efficient, voilà, le but c'est de savoir bouger. On est à 3, 4, 5. Vous pouvez faire très bien une version avec les deux jambes pliées si vous désirez, c'est pas mal aussi, hein. Une culbute. T'as 8, non, là? Il me semble, 9. 10, ouais, c'est bien ce que j'avais pensé. Hop, voilà, petite roulade, tranquillement, il choisit la technique du step-up. On voit le temps, il est à 2 minutes 27. Il a un super temps, je pense que il va peut-être réussir à faire... Ah, quoi que là, il est tout coach, ça prend du temps quand même. Super. Il est bien, il est à l'aise. Il est à 2 minutes 14. Hop. Très bien. Ah, ça va être juste. Hein. Pas perdre de temps. Hop, petite roulade. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, ça n'a pas l'air simple, hein. 10, hop, une, carrière, il ne faut pas qu'il perde son temps là, tac, tac, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une 10 de récup. Vous avez vu, hein, la version avec le canapé là, ça prend. Ça a fumé. Ah, les abdos. Ouais. Ah, ça doit bien fumer. Bah, en fait, non, ça, de toute façon, ça faisait la même version. Moi, j'avais mal aux abdos en sortant des burpees. Ouais. Ouais, c'est bien pour tous, tu vois. C'est parfait. Ouais. Vous avez vu, donc l'enchaînement. Toast to canapé et burpee, ça va vous faire les abdos. Vous avez vu à quel point est impacté. Donc, pensez vraiment à engager fort vos abdos lorsque vous allez amener les pieds ou les genoux vers le canapé, enfin le fauteuil. Donc, le but, ce serait d'essayer d'avoir le même temps à chaque fois de passage. Les yeux de l'amour. On respire à fond. 5 tours, ça reste quand même quelque chose d'assez court, mais assez long pour vous faire du mal. Donc on essaie d'être efficient. Le but, aller vite. Départ dans 10 secondes. Et go, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 5, hop, petite roulade sur le... Boum, Starkey Hutch. Et c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, transition. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, hop, roulade, et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez Clément, 8, 9, 10, ok, hop, roulade, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et boum, exactement le même temps. Apparemment, c'est horrible. Non, mais en fait, ça faisait le même effet si tu le faisais tous tout bas. Hein. On avait mal aux abdos. Ah ouais, ouais. Oh. Là, j'arrive pas à forcer avec l'épaule aussi. Ouais. T'as pas la fermeture d'épaule. Bah, sinon, t'as vu, ça tire quand même. Ah, j'ai pas vu. À chaque coup que j'appuie, hop, le bras tu veux qu'on mette, mette sous-bi dans le canap? Non, c'est pas grave. Ah, c'est bien. Voilà, petite pause, tranquille, respirez, il a le temps, il a largement le temps de respirer, respirez à fond, marchez ou asseyez-vous, oxygène au maximum, il reste plus que 3 tours, ça va passer vite, il aura fermé les yeux qui sera déjà au dernier. Ok, départ dans 10 secondes. On va essayer de l'encourager pour qu'il fasse le même temps. Et go! 1, 2, 3, 4, 5. Hop, petite roulade, toujours, et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on y retourne. 1, 2, 3, 4, allez, calme. 5, 6, 7, 8, allez, 9, allez, calme. 10, allez, t'as largement le temps, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, c'est terminé avec 4 secondes d'avance. En tirant sur le... Ouais, ah. Allez, c'est l'avant-dernier tour. Il faut s'accrocher. Allez,
C'est l'avant-dernier tour. Allez. Ah, mais pas du tout. T'avais pas envie de te faire. Allez, et top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, petite roulade encore. 1, 2, 3, 4. Voilà, utilisez le rebond des jambes. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, super ça, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, allez Clem, allez, 6, 7, 8, 9, allez, 10, allez, 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 1, 2, 3, allez, 4, 5, allez Clem, 6, 7, 8, 9 et 10. Dernier tour. Nous voyons en fond d'écran un athlète des Games. Ah, là-bas au loin. Regardez-moi ce corps. Nourri au Crossley. Il était tellement massif de loin. 5, 4, 3, 2, 1 et go! Dernier tour pour Clément. 2, 3, 4, 5. Hop, il esquive avec une petite roulade sur le côté, comme toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, il est sur un super bon rythme là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, roulade et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Allez Clem, allez, dynamique. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez Clem, allez, toujours en dessous d'une minute, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. Ok, on respire, il vous reste encore le chrono, une minute. Et après, on va vous montrer juste une version. Si vous n'avez pas de canapé ou vous le faites dehors en extérieur à côté d'un arbre, juste la version où vous allez vous tenir. Allez, encore 50 secondes, allez. Allez, on s'accroche, allez, 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 on lâche rien. Allez, encore 30 secondes. Et 20 secondes. Et 10 secondes. Allez, calme, tu repars. Hein. Sauf que lui, il a du mental, il serait reparti, ça l'aurait pas gêné. Et time! Bien joué tout le monde, super! Bah, le fait de faire comme tu sais avec un poteau, parce qu'il y en a, en fait, ils n'auront pas de canapé, ils seront dehors. Donc, leur montrer bah, qu'ils peuvent se tenir à un poteau. Regardez ceux qui seront dehors ou voilà, qui ont un poteau, un arbre ou quoi que ce soit. Bah, vous allez vous tenir et faire la même chose. Voilà, tac, comme ceci. Super. C'est bon, Clem, merci. Voilà. Allez, on fait un petit bisou et à très vite.